sont là. Pas plus que ça. Les familles commencent toujours par travailler chez elles. On m'a demandé s'il fallait venir manifester. La réponse a été immédiatement oui. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, on prend les familles pour des demeurées. Elles seraient incapables de respecter la liberté de leurs enfants. Est-ce que c'est vrai ? Non ! Avec Aloi Taubira, on a fait passer, pour une petite majorité, me dit-on, une loi qui est en réalité une fracture nationale. Est-ce que nous pouvons rester indifférents à cela ? Non ! Avec la mise sous condition de ressources, on a estimé qu'il était juste que les familles avec enfants soient celles qui ont eu le plus gros charge d'augmentation de dépôt. Est-ce que vous, vous trouvez que c'est juste ? Non ! Alors mes amis, nous rentrons aujourd'hui dans une phase politique importante pour la France. Les phases importantes pour la France, il faut savoir les adresser chez soi, avec ses enfants. Mais il faut savoir aussi prendre dimanche après-midi pour venir dire à tous les politiques, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils le soient demain, que la famille est une chance. Sinon, nous allons encore augmenter la dette, les 2000 milliards que nous laissons à nos enfants. Un père de famille ne peut pas supporter ça. Sinon, nous allons laisser une loi qui laisse penser qu'il suffit d'écrire quelque chose dans un grand livre de la République pour que les personnes homosexuelles accèdent au bonheur. Eh bien, moi, je vous dis ce que disait Jean-Paul II au Parc des Princes. La société permissive ne rend pas les hommes heureux. Mes amis, je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer parce qu'on est aux minutes de très fort. Je vais vous demander de crier extrêmement fort pour que vous soyez entendus là-bas. Merci.